c'est un départ. Ah, le son de ce klaxon. Il y a les amateurs de fruits de mer qui sont très heureux de l'entendre ce matin parce que les pêcheurs de homard de la Gaspésie ont pris le large au cours des dernières heures. C'est parti pour une autre saison qui s'annonce très bonne. On en parle avec Jean Côté, qui est biologiste et directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Bonjour, Monsieur Côté. Oui, bonjour, Simon. Alors, c'est parti pour une autre saison. Donc là, les navires ont pris le large. La première journée de pêche, là, qu'est-ce qu'ils font habituellement, les pêcheurs? En fait, aujourd'hui, c'est la journée de mise à l'eau des bateaux, des casiers. Donc, c'est pas vraiment une journée de pêche, c'est le début de la saison. Mais c'était une journée idéale, comme on le voit. C'était un matin sans vent, une mer calme. C'est ce qu'on a de besoin pour faire une sortie tout en sécurité pour aller déposer les casiers sur le fond. Et là, à quel moment les gens, c'est toujours la grande question, vont pouvoir goûter à ce homard de la Gaspésie cuvée 2024? La cuvée 2024, bien, les premiers homards vont arriver ici en Gaspésie dès demain matin. OK. Les pêcheurs vont sortir tôt demain matin, vont les ramener dans les usines. Et ça va prendre quelques temps avant que les industriels de la pêche aient un inventaire suffisant dans leur vivier pour vous approvisionner en ville. Je dirais que probablement vers la fin de la semaine, vous allez pouvoir le voir dans vos épiceries. Et vous, je le rappelle toujours, le homard de la Gaspésie avec son médaillon de traçabilité, c'est le seul qui a ça. Il est unique au monde grâce à ce petit médaillon-là. On vous invite à le chercher au travers des viviers. Et on a fracassé des records l'an dernier pour la pêche au homard en Gaspésie avec les captures. Là, cette année, on s'attend à quoi? Est-ce qu'on s'attend encore à une très bonne saison? On s'attend encore à une très bonne saison. C'est sûr qu'on a fracassé le record l'année dernière. Mm-hmm. C'est toujours dur de dire qu'on va encore fracasser le record, mais nos inventaires l'automne dernier nous montraient qu'il y avait encore beaucoup de homards commerciaux sur le fond de l'eau et qu'il y avait encore beaucoup de petits, donc cette année, l'année prochaine, les années à venir, ça regarde bien pour l'instant. Donc, on s'attend encore à une bonne saison. Et là, la grande question, souvent, à quoi va ressembler le prix? C'est souvent la grande question des consommateurs. C'est la grande question des consommateurs, puis je veux dire, c'est la grande question des pêcheurs eux aussi. Mais en fait, on s'attend à recevoir des prix comparables à ceux de l'année dernière. Donc, probablement que ça va être la même chose. Ouais. Il y a peut-être une certaine pression inflationniste, mais c'est toujours dur à dire. Mais la chose est, c'est que le homard va être là en quantité et suffisante pour vous approvisionner. Le prix devrait être bon pour tout le monde. Et on sait, on parle beaucoup que c'est difficile pour l'industrie des pêches, pour certaines espèces avec les changements climatiques. On a parlé du crabe, de la crevette, évidemment. Mais le homard, c'est une espèce qui tire profit du réchauffement des eaux. Bien, oui, elle tire profit du réchauffement des eaux parce qu'on était dans la zone nordique très froide autrefois. Maintenant, on est dans la zone préférentielle en termes de température. Mais en plus, il y a déjà de ça plus d'une vingtaine d'années, les pêcheurs, les homardiers, se sont pris en main et ont adopté des mesures de conservation et de protection de la ressource, que ce soit en diminuant l'effort en rachetant des permis, que ce soit en diminuant le nombre de casiers, en augmentant la taille minimale. Donc, les pêcheurs eux-mêmes ont pris beaucoup de mesures en même temps que les changements climatiques survenaient. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une pêcherie qui est celle du homard qui va très bien malgré le réchauffement des eaux. Et vous avez un projet au regroupement également pour ensemencer. Comment ça se passe? Bien, écoute, ça se passe bien. C'est notre 15e saison cette année où on va produire des bébés homards en écloserie pour les ensemencer sur les fonds marins. Ce qu'on veut, c'est compenser 3 à 5 % de nos captures de l'année précédente. C'est rendu qu'on en a besoin de plus en plus. On a mis 1,75 million de petits homards comme ça au fil des ans. Cette année est une année charnière, je dirais, parce qu'on travaille chez Mérinov, un centre de recherche en aquaculture et dans les pêches à Grande-Rivière. Et cette année, c'est toutes les installations sont en rénovation et en agrandissement. Donc, on va avoir peut-être une petite année. L'année prochaine sera une année, on espère, avec encore un peu plus de bassins et des nouvelles installations plus performantes. Jean Côté, toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes biologiste et directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin et à l'extérieur avec un beau paysage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il faisait froid ce matin, j'ai sorti mon manteau plus chaud, mais là, on est très bien. Ça fait plaisir. Salut bien, Simon. Bye bye.